Bah écoute, je pense que c'est une idée intéressante. Hein. Ça permet de regrouper toutes les équipes, ça crée un événement autour du basket féminin. Bah, c'est intéressant de voir toutes les équipes, effectivement, sur la même journée, on n'a pas à se déplacer dans le gymnase et voir sur place ce qui s'y passe. Sur le concept, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça permet de tout de suite voir les adversaires. C'est une prise de contact par rapport déjà à leur niveau de jeu. Mais on apprécie beaucoup, surtout le regroupement. Ce concept est très bien, d'ailleurs bien organisé. Et on le connaît puisqu'on l'a copié également dans notre département. Parce que je suis en même temps président de la commission féminine du 93. Alors le concept, je le trouve bien pour développer le basket féminin, dans le sens où on ne fait pas grand-chose en Île-de-France. Je le sais parce que je suis responsable des sélections départementales de jeunes sur le secteur féminin dans les Hauts-de-Seine. Et il y a très très peu de choses de fait. C'est une bonne initiative à refaire, à refaire. On a copié la Ligue féminine de basket hein, qui organise depuis déjà plusieurs années l'Open à Paris-Coubertin. Et donc depuis déjà 2-3 ans, on avait cette idée d'organiser la même chose pour notre championnat d'excellence régionale. C'est l'occasion de faire parler du basket féminin, donc on multiplie les initiatives pour montrer et faire parler du basket féminin. Là, cette fois-ci, on avait essayé, avec ce support, de faire se rencontrer nos 14 équipes d'excellence régionale. C'était une très belle idée et puis assez pertinent de pouvoir, si tu veux, dupliquer ce qui se passe au niveau élite féminin. En plus de promouvoir le basket féminin en Île-de-France et le basket en général, j'étais vraiment ravie de participer en tant que marraine. La Ligue féminine de basket, elle a initié cet Open, elle a créé l'opération Marraine de cœur. Alors nous, c'est aujourd'hui Paoline et Cambi, c'est notre marraine de cœur. Je voudrais la remercier vraiment d'avoir accepté d'être la marraine de cette première édition. Et aussi, je représente l'Amicale des internationaux de basket. Parce que dans notre mission, ce n'est pas uniquement de s'occuper des internationaux, c'est aussi s'investir et soutenir des actions locales auprès de clubs associatifs dynamiques. Voilà, donc après avoir fait Pantin au féminin, je suis ravie que l'Amicale, de représenter donc l'Amicale des internationaux et puis d'être marraine de cet événement qui était une belle réussite. Merci à toutes. Pardon, je dis toutes, je ne vais pas dire tous aujourd'hui parce que la majorité en c'est mes filles. C'était un événement féminin, vous avez bien représenté le club. Vous avez passé une longue journée, je vous remercie beaucoup. Une bonne journée. Et pour la Ligue Île-de-France et aussi pour l'image du club, c'est très important. Hey girls, what time is it? Get back home! Okay. Let's go!